C'est un Sega, et nous sommes dans un hameau de cette colonie britannique qui est encore aujourd'hui l'île Maurice, après avoir été l'île de France, là-bas dans le sud de l'océan Indien. Il y a 3 siècles, l'île était déserte. Actuellement, elle est surpeuplée, dangereusement surpeuplée. La joie humaine y éclate farouchement. Il n'y a plus d'esclaves. Ce sont leurs libres descendants qui tournoient ainsi toute la nuit. Cela ne coûte rien que de retendre de temps à autre les tambourins à la flamme. Jusqu'à présent, le Sega n'a pas eu la chance du mambo, de la samba ou de la bossa nova. Il n'a pas encore été exporté à Saint-Germain-des-Prés. Curieux détail, si ces belles pincent leur jupe entre le pouce et l'index, c'est que leur grand-mère avait surpris ces belles manières dans les bals de quadrille donnés en les salons par les riches planteurs. Et aujourd'hui comme hier, c'est le rhum qui soutiendra jusqu'à l'aube l'énergie des danseurs et des musiciens. Le lendemain matin, on reprendra le travail. Au sucre, au sucre, au sucre. Il coule comme du sable dans les cales des carrefours. Tout Mauricien en dépend. Directeur ou paysan de la plantation, camionneur, négociant, affréteur ou soutier dans la rade de Port-Louis. L'île Maurice, 650 000 habitants, 650 000 tonnes de sucre par an. Impossible de produire beaucoup plus de sucre, alors que les familles prolifèrent illimitées. C'est le drame des niveaux de vie. Tout pouvoir d'achat, toute possibilité de travail, tout moyen d'échange est à base de sucre. C'est aussi le drame de la monoculture. L'Angleterre soutient les cours, autrement, les Mauriciens ne pourraient plus vivre. L'ensemble du problème n'est pas moins aigu ici qu'à Cuba. À ces drames près, l'île demeure ce paradis où Emma Bernardin de Saint-Pierre, le célèbre auteur de Paul et Virginie. Non, ce n'est pas Bernardin qui trône sur le quai de Port-Louis, mais Mahé de la Bourdonnais, le plus prestigieux des gouverneurs de l'île au XVIIIe siècle. Ce Breton aimait le luxe, la nature, les arts, les femmes et la chasse. Il a joui de tout cela ici. 25 000 cerfs brament encore dans les forêts et les jardins de Mahé de la Bourdonnais subsistent. Mahé aimait la famille de Virginie, il accueillit Paul chaleureusement. Vous vous souvenez de la promenade des deux jeunes gens accompagnés de la bénédiction de la mère de Virginie? C'est ici qu'ils se perdirent. Les pitons des trois mamelles dominent toujours les champs de canne. Et c'est là qu'éperdus de joie, leur fidèle esclave les retrouva, transis, blottis l'un contre l'autre. Vous n'avez pas oublié comment la tendre Virginie obtint d'un méchant planteur la grâce d'une négresse malheureuse. Le Grand Morne. Le calme de l'océan Indien est trompeur. De furieuses tempêtes peuvent à tout moment surgir. Le vaisseau ramenant de France la pauvre Virginie fit naufrage. Et voici le désespoir de Paul devant la tombe de sa bien-aimée, non loin de la petite église qui demeure et près de laquelle il mourut de chagrin. Les baigneurs de l'île s'en souviennent peut-être. Ces baignants que les créoles appellent des multipliants. Et qui virent, peu avant la reine Victoria,
en 1815, l'île de France perdre son nom. La France conserve cependant à Maurice bien des amis et bien des souvenirs. Le nom de la capitale résidentielle et les enseignes des boutiques. Les Chinois, eux, sont là pour le commerce. Leurs bouliers cliquettent tout autour de l'océan Indien en attendant que l'histoire décide. Chang ou Mao, Formose ou Pékin. En montagne, les lieux précis des amours de Paul et Virginie sont connus. Mais qui sort aujourd'hui de la petite case de Paul, une prolifique famille hindoue? Et qui sort de la case de Virginie? Encore des hindous, une quantité de gosses hindous. Actuellement, la population indienne, avec ses 425 000 membres, submerge l'île. Elle descend d'ouvriers arrivés après l'abolition de l'esclavage. 273 habitants au kilomètre carré à l'île Maurice. Les idoles sont en plus. Et Gandhi coupe le paysage de sa silhouette émaciée. La maison d'un ancien planteur français est illuminée pour fêter le nouvel an hindou. Un bûcher évoque le traditionnel martyr des veuves hindoues se jetant dans le brasier qui anéantissait le corps de leur époux. Les fidèles fêtent la déesse Draupadi qui dispensa du supplice les veuves des héros vainqueurs de l'esprit du mal. Couronnés de fleurs, encouragés par les tambours, ils parcourront pieds nus le lit de braise. Les plus fanatiques se seront préalablement percés la langue. D'autres se sont peints le visage des trois traits de Shiva, le dieu de la mort et de l'éternel renouveau. La tension augmente. Qui ouvrira la marche ? Un vieillard vêtu de blanc s'élance le premier. Sans hâte, les autres suivront. Le chemin tracé devenant peut-être un peu moins rouge, un peu moins brûlant. La légende veut que les impurs soient consumés. La réalité montre que les pieds des fidèles sont intacts. C'est donc qu'ils étaient purs. Les preuves sont administrées, on peut arroser. Les braises refroidies deviendront reliques.
Ultime contraste avant de quitter le pays de Paul et Virginie, à côté du temple exprimant une foi du fond des âges, en cette ancienne île de France devenue colonie britannique et surpeuplée d'Indiens, s'élève depuis peu une station qui veille sur les mers australes.